Salut tout le monde, Jesus de Nirvana. Alors c'est un morceau qui est assez simple à jouer car il est constitué que d'accords ouverts. Il n'y aura pas de bail. Et bien si tu es prêt, c'est parti. Alors pour commencer, il faut remettre un capodastre en première case. Pour cette chanson, tu as besoin de trois accords. Ils seront le ré, mais attention, mon ré à l'envers, je le dis souvent. Toi c'est ainsi, le do et le sol. Je répète, le ré, le do et le sol. La rythmique, faut que tu fasses ba, ba, o, ba, o. Je répète, ba, ba, o, ba, o. Encore une fois, ba, ba, o, ba, o. Tout simplement. Alors, pour pouvoir jouer les couplets, il faut que tu fasses le ré, le do et le sol. Tu vas jouer une mesure sur ton ré, une mesure sur le do, et tu joueras deux mesures sur ton sol. Je te fais une petite démo. Oui, par contre, sur le bas, bas, haut, haut, bas, haut, sur le dernier haut, on changera d'accord. Je vais te montrer. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas. Ba o o ba o ba 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 ba o. Tu vois, tu joues deux mesures, une mesure sur le ré, une mesure sur le do et deux mesures sur le sol. Et sur le dernier o de ta mesure, tu changes d'accord. Et ça te permettra de jouer les couplets. Sur les refrains, vous allez faire une mesure sur le ré, une mesure sur le do, une mesure sur le ré, une mesure sur le do, une mesure sur le ré, une mesure sur le do, et tu finis en sol avec deux mesures. Et après tu repars sur les accords découplés. Je te montre. Tu repars sur les accords découplés. Tu vois, il n'y avait vraiment rien de compliqué pour pouvoir jouer Jesus de Nirvana. Et ben, j'ai fini avec le tuto. J'espère que c'est assez clair pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner pour m'encourager à faire des tutos, à partager et à aimer. Et ben voilà, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne gratte.